pour ce petit retard. Avoir les slides, avoir les notes, c'est mieux. Voilà, on va commencer. Donc en fait, quand on écoute les retours du CES 2017, par exemple, ou du Mobile World Congress, on peut constater que l'IoT, c'est la grande tendance du moment. Tout le monde parle IoT dans tous les sens. Il y a énormément de nouveaux fournisseurs ou de nouveaux constructeurs qui se lancent dans cette aventure. Et quand on écoute les experts, ils ne tarissent pas d'éloges sur les prétendus services qu'apportent ces objets augmentés. Ils n'hésitent même pas à les qualifier d'intelligents. Tous les objets sont devenus intelligents du moment qu'on arrive à les connecter. Donc ensemble, je vous propose qu'on s'interroge un petit peu sur ce phénomène IoT et qu'on essaye d'explorer quelle réponse pourrait rendre ces objets un peu plus intelligents que ce qu'ils sont réellement. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Winael. Je suis membre de la communauté Ubuntu, je pense que ça se voit. Ubuntu travaille beaucoup sur ces problématiques d'IoT depuis plusieurs années. Et je suis évangéliste vraiment donc sur cette partie IoT depuis un peu plus de 2 ans. Donc voilà, je fais beaucoup de promotion autour de leur technologie qui s'appelle Snaps et Ubuntu Core. Alors, donc si on écoute le discours de nombreux commentateurs, donc la nouvelle aptitude à pouvoir communiquer rendrait les objets intelligents. Mais sauf que si vraiment c'est l'aptitude à communiquer qui rendait les choses intelligentes ou les gens intelligents, sur Twitter, on aurait beaucoup moins de gens dont le niveau aura des pâquerettes. Donc c'est pas la capacité à communiquer qui rend intelligent. C'est vraiment la prise en compte dans une communication du contexte dans lequel se déroule la communication et que vraiment il y ait un dialogue qui s'instaure entre les individus, qu'ils soient des objets ou des humains. Donc le modèle dominant en ce moment est le suivant. Il faut à tout prix capter le consommateur dans un écosystème prétendument complet. Donc on lui propose un objet et on lui dit bah voilà, vous avez tous ces services-là qui sont associés à l'objet. Donc souvent ça se fait, la bataille va être surtout sur celle des partenariats. Donc par exemple, je sais pas, vous achetez typiquement le modèle Apple, hein, vous prenez un modèle Apple, il vous garantit que vous allez pouvoir connecter votre objet à un certain nombre de fournisseurs de services. Et donc vous payez ce service, c'est quand même relativement cher. Et donc le but du jeu, c'est qu'on espère que cet écosystème forcera le consommateur à acheter tous les produits de la gamme. Typiquement, voilà, le modèle Apple, c'est ils essayent de faire en sorte que tout le monde puisse acheter un iPhone, un iPad, des ampoules, je sais pas si ça existe, des ampoules Apple, mais voilà, vraiment toute la gamme pour que vous puissiez vraiment être tranquille, dans la tranquillité, tout soit intégré. Et donc, la plupart des fournisseurs et des constructeurs essayent de copier ce modèle qui a particulièrement réussi à Apple. Et pourtant, ce système a des limites. On va s'adresser qu'à des inconditionnels de la marque. Et sauf qu'en dehors des hipster hypes ou des gens qui sont vraiment fans d'une marque particulière, Samsung, Apple, etc., en règle générale, Madame Michou, etc., n'a pas envie de se retrouver prisonnier d'une marque. Eux, ce qu'ils veulent, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne. Ils s'en foutent, ils peuvent avoir une cuisine avec de l'équipement de telle marque, le frigo d'une marque, le four d'une autre marque, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tout fonctionne. Ils s'en fichent un petit peu d'être prisonniers d'une marque. Et alors, justement, si on est dans ce principe d'avoir un écosystème complet où il faut acheter tous les trucs de la marque, et avec le jeu des fournisseurs, on va se retrouver avec un modèle au niveau du réseau qui est un petit peu le suivant. Si vous avez une cuisinière de la marque A dont la marque a signé des accords avec un fournisseur qu'on va appeler, je sais pas, fournisseur A, Z, E, R, T et Y,
et que le constructeur de votre frigo de la marque B, lui, il a signé des accords avec les fournisseurs A, B, C, D, E, F et G, en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut connecter le frigo et la cuisinière qu'au travers des services fournis par A, par le fournisseur A, le fournisseur de services A et E. Donc tous les autres fournisseurs de services, finalement, vous allez leur envoyer des données, mais vous n'allez pas pouvoir connecter vos machines entre elles. C'est qu'au travers d'un service cloud externe que l'on peut connecter ces machines. Et ça pose particulièrement problème au niveau des données privées qui sont envoyées. Alors, je ne sais pas quel type de données privées peuvent envoyer ce genre de machines, mais il faut bien se dire que on a deux machines, finalement, notre réfrigérateur, notre cuisinière, qui sont dans notre réseau local et qu'on est obligé, pour les interconnecter entre elles, de passer par des services cloud, donc de sortir de notre réseau local, d'aller sur Internet, d'aller sur un service cloud qui va se connecter sur un autre service cloud au travers des API pour revenir sur notre réseau local. Donc, on va la refaire pour les... Je vous ai fait un petit schéma. Hop, voilà. D'un point de vue un petit peu plus ops, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc là, on voit bien, notre gazinière va aller s'adresser donc à notre routeur. On est normalement sur un même réseau local. On passe par la boîte Internet. On va s'adresser au cloud de la marque A. Là, on va envoyer les données à tous les fournisseurs auxquels il est connecté. Il a des partenariats. Là, on va avoir donc deux fournisseurs. Donc, c'est notre fournisseur de mémoire. On a deux fournisseurs qui vont répondre. Eux et je ne sais plus lequel. Enfin, en tout cas, bref, vous avez les deux fournisseurs qui vont répondre au cloud de B. Vous repassez par la boîte Internet, vous repassez par le routeur, vous allez au frigo. Donc, si quand on regarde un peu ça, voilà ce qu'on se dit. Bon, c'est un peu... Oh, ben là, disons, la machine, elle est un peu lente. C'est ça. Bon, bref, c'est un gros what the fuck. L'un des autres soucis, c'est que si votre prestataire ferme son service, alors on vous dit que jamais ça n'arrivera, etc. Mais on voit bien qu'avec de nombreuses startups, finalement dès que la startup décline, elle ferme son service et on se retrouve comme des couillons enfermés et à perdre ses données. On a soit une partie de l'intelligence qui s'en va, soit votre appareil qui va tout simplement ne plus savoir communiquer. Voire même il va pouvoir devenir utilisable si toute la partie applicative est écrite du côté cloud. Par exemple, si vous vous souvenez, Revolve, qui a été racheté par Google, donc il y avait tous leurs services côté cloud. C'était une machine qui gérait un peu l'équivalent de Google Home, je crois. Et du coup, quand ils ont racheté, Google a décidé de fermer le service. Et donc, du coup, cette gateway est devenue totalement, c'est devenu une brique. Et souvent, malheureusement, la plupart des fournisseurs écrivent tout le côté applicatif sur Amazon Web Services IoT ou Azure IoT, donc une grande partie côté cloud, et là vous avez quelque chose de complètement inefficace. Donc là c'est pareil, il y avait un GIF mais on va pas le mettre. Donc un autre problème de taille, c'est si l'objet physique en tant que tel, vous l'avez acheté dans un magasin, il vous appartient bien, le système informatique, lui, il est toujours la propriété du constructeur. Donc il ne vous sera pas permis de le modifier pour l'adapter à vos usages. Donc on le dit intelligent, mais si moi, par exemple, j'ai envie, que ma gazinière puisse être connecté, je ne sais pas, que je puisse lancer la cuisson de mes œufs via Ansible, par exemple, je ne pourrais pas parce que ce n'est pas prévu pour. Donc, on le dit intelligent, mais finalement, si c'est pas ce qu'on lui a dit de faire, qu'il le connaît depuis la base, il sait pas s'adapter. Il y a très peu d'objets qui sont soit au mieux open source ou open hardware, soit qui présentent une API très bien documentée qui vous permettent d'interagir comme vous voulez avec l'objet. Donc, en fait,
on ne peut parler pour ce type d'objet intelligent que d'un point de vue marketing. Et donc, du coup, c'est fail. Et en plus, comment on peut continuer à parler de propriété puisque l'objet dans son ensemble, il vous appartient pas. Donc, en fait, vous avez juste l'objet, mais tout ce qui est l'usage qui va avec, qui est un usage qui dépend des fournisseurs et qui dépend des services associés, ça va être... vous avez juste l'usage. Vous achetez en fait un objet que vous croyez être propriétaire et votre droit de propriété s'est transformé juste en droit d'usage. Et en plus, vous avez payé plus cher votre objet. Maintenant, on va parler un petit peu de la... Alors, j'ai barré le mot cyber parce que souvent... quand on écoute les commentateurs, ils nous parlent toujours de problèmes de cybersécurité dans le monde IoT. La plupart du temps, ce ne sont pas des problèmes de cybersécurité, ce sont simplement des problèmes de sécurité basique. Donc, par exemple, imaginez-vous, vous avez une adorable petite peluche qui permet aux parents de communiquer avec leurs enfants en échangeant des messages au travers de jouets connectés. Ça paraît idyllique de pouvoir comme ça... déposer un petit message pour son petit gamin qui puisse le rassurer quand il dort. Sauf que le système IT sur lequel étaient stockés les messages et les données privées sont facilement piratables. C'est-à-dire que les serveurs sur lesquels se base le service, il est absolument pas protégé. Et donc, en fait, on se retrouve avec un service où des prédateurs, par exemple des prédateurs sexuels, peuvent détourner le service et laisser des messages aux enfants sur la pluche, au travers de ces serveurs qui ne sont pas protégés. Et c'est vraiment du truc de base, quoi. Quand on est dans l'IT, normalement, quand on est une entreprise à peu près sérieuse, on a une stratégie de sécurité IT. Là, pour la plupart des objets connectés, ce n'est pas le cas. Et ce scénario catastrophe que je vous ai expliqué, ce n'est pas quelque chose que j'imaginais, etc., mais c'est une constatation d'un expert de sécurité concernant le jouet de Club Pets. Donc, c'est vraiment un problème qui s'est posé. Des serveurs pas sécurisés et donc des gens qui pouvaient à tout moment récupérer les messages des parents et laisser des messages aux enfants au travers d'un service pas sécurisé. Donc, l'un des principaux problèmes de l'IoT aujourd'hui, c'est que c'est défectueux au niveau de la conception. Les objets, souvent, contiennent un système embarqué et optimisé. En fait, on parle d'objets connectés. Avant, on parlait de embed, c'est-à-dire d'embarquer. Mais c'est à peu près la même chose. Donc, en fait, c'est une image en lecture seule qui est montée dans la mémoire morte de l'appareil. À chaque fois que vous avez une mise à jour à faire, pour corriger une faille, vous devez reconstruire l'image du système, la mettre à disposition du client. Le client doit pouvoir la télécharger et doit pouvoir l'uploader dans son objet. C'est déjà reconstruire une image, la mettre à disposition, c'est déjà souvent relativement fastidieux. Mais alors, si vous demandez à Madame Michou de télécharger une image et de l'uploader sur un objet, ça sera jamais fait. C'est déjà compliqué pour nous, qui sont des professionnels de l'IT, de pouvoir brancher un objet connecté. Déjà, il n'y a pas forcément d'interface et de faire la mise à jour. Donc voilà les problèmes que ça pose, c'est que les clients finaux n'ont pas les compétences techniques, il n'y a pas d'écran sur les objets connectés pour l'interface homme-machine, donc on ne sait même pas comment répond notre machine à la mise à jour. Et souvent, sur les nouveaux équipementiers opportunistes qui se lancent dans le domaine IoT, il n'y a même pas d'usine logicielle pour créer des nouvelles images saines. Et est-ce qu'on peut mettre le problème de sécurité simplement sur les objets connectés? Et là, je pense que c'est vraiment pas si sûr, parce que l'un des gros points faibles de l'IoT, c'est une arrivée massive dans le monde d'IT d'acteurs qui sont attirés par cette nouvelle ruée vers l'or, essentiellement des designers, des gens qui sortent d'une école de design, donc aucune compétence en informatique, et qui sont intéressés par ce marché en pleine expansion. Donc là, on est véritablement, c'est pas une image, on est dans le Far West. Et au niveau donc de, comme on l'a révélé précédemment avec les objets connectés personnels, ils ne sont pas conçus pour résister aux attaques, mais en plus souvent ils ne sont pas testés.
Les équipementiers n'ont aucune conscience du danger. Et en fait, leur spécification de normes de sécurité, donc déjà un objet qui est défectueux par sa conception, ils testent pas les objets. Donc des fois, vous avez des objets qui vont sortir qui ont énormément de failles de sécurité zéro day. Le but du jeu, c'est de faire du pognon le plus rapidement possible, donc business first, sur de l'hébergement low cost pour stocker les données collectées. Et donc qui vont libérer sur le marché des objets avec les logins mots de passe par défaut écrits en clair dans le code. Donc du coup vous ça va donc poser souci. Donc les conséquences, c'est qu'on va avoir des objets qui vont être connectés au réseau internet et qui peuvent interagir avec l'ensemble des SI connectés à ce réseau. Et on a vu énormément d'attaques l'année dernière, notamment l'attaque contre DynDNS, etc., qui ont utilisé des objets connectés. Et donc, vous avez des gros créations de botnets qui maintenant utilisent, donc c'est des petits ordinateurs, pour pouvoir créer des gros réseaux donc de millions d'objets connectés. Et donc, ça a quand même paralysé l'année dernière, je crois que c'était au mois de septembre, ça a paralysé Amazon Web Services, ça a paralysé le PlayStation Network, Spotify, etc. Donc, des gros systèmes ont été impactés parce que des petits acteurs qui veulent rentrer dans un marché où il y a beaucoup d'argent à se faire ne respectent pas les règles primordiales de la sécurité. Et donc... par exemple, Fabrice Abelpoint a dit dans une interview que trop souvent, les objets sont d'abord posés sous l'angle de l'utilisation dans la vie quotidienne et qu'en fait, la question de sécurité demeure complètement à la marge et c'est pour ça qu'on a ces problèmes. Moi, je pense que le problème est encore plus loin. C'est qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer dans le business de la donnée. À tel point que même aux États-Unis, par exemple, il a été voté une loi permettant aux fournisseurs de services de revendre les données personnelles. Et donc, il n'y a pas longtemps, moi, j'ai assisté à un meet-up dans ma société de prestations. Et il y avait une personne qui venait d'un cabinet de stratégie qui faisait un retour sur le CES et qui m'a dit clairement que pour vendre ou ne pas vendre la donnée, en fait, tout est une question de curseur entre la protection des usagers et les bénéfices. Donc, clairement, il se positionne dans le sens où business first. Et donc, on va se retrouver avec des entreprises comme Standard Innovation, qui est une entreprise canadienne, qui va collecter des données personnelles à l'insu de ses utilisateurs. Donc, Standard Innovation, c'est un fabricant du sextoy connecté WeVibe, hein, voilà, qu'on voit là. Et donc, en fait, elle connectait des données personnelles telles que les mails, les numéros de téléphone, les fréquences d'utilisation de l'objet, les températures, les degrés de vibration. Et elle mettait tout ça en relation. Donc, il y avait vraiment des données très sensibles qui passaient, très, très personnelles, et qui, on pense que c'était, comme c'était pas dit que c'était caché, qu'elle récupérait toutes ces informations-là, que derrière, il y avait du commerce. Donc, ça a été mis en avant à la DEF CON par des expériences de cybersécurité qui ont démonté un petit peu le standard pour montrer vraiment tout ce qui passait, contrairement à ce qu'ils annonçaient sur leur brochure commerciale. Standard Innovation a été condamné, mais pour un Standard Innovation condamné, combien il y en a qui prospèrent? Alors, je pense que vous avez tous entendu parler de Vault 7, qui est le nom de code d'une fuite de documents au travers du site Wikileaks. Et donc, d'après des sites spécialisés, la CIA aurait développé un arsenal numérique afin de potentiellement prendre le contrôle à distance et espionner des suspects à la suite de son plein gré, donc notamment au travers des caméras IP, des téléviseurs, etc. On ne peut que s'inquiéter qu'une agence gouvernementale développe ce genre d'outils et quelle est cette volonté d'espionner n'importe qui au travers des équipements d'objets connectés. Donc, pour l'instant, il n'est pas fait mention d'autres objets connectés
qui sont sortis dernièrement. Mais voilà, il y a tellement de failles de sécurité que finalement, la CIA n'a même pas besoin de développer des outils. Ils ont simplement juste besoin de récupérer un peu le code, de farfouiller un peu dans l'objet et récupérer des données très personnelles sur vous. Et donc, pour montrer un petit peu ce danger avec avec Vault 7, il y avait un tweet qui m'a fait beaucoup rigoler. Enfin, bon, voilà, c'est du rire jaune, mais voilà, clairement, la personne dit « Ma femme a demandé pourquoi je portais une arme à la maison. Je lui ai dit « J'ai peur de la CIA. » Elle a ri, j'ai ri, l'Amazon Echo a ri. J'ai tiré sur l'Amazon Echo. Parce que bah, voilà, on ne sait pas non plus ce que fait la CIA, mais quand vous utilisez typiquement ce genre de module à la maison sur lequel vous adressez pour tout et n'importe quoi, imaginez peut-être que le micro de l'Amazon Echo est connecté à la CIA et qu'elle vous espionne. Donc là, vous mettez carrément les mouchards, vous les achetez et vous les mettez chez vous. Ce qui est, voilà. Et si la CIA est dans la capacité de vous espionner, imaginez qu'il y a des gens, peut-être encore, on va dire, plus mal intentionnés. On va dire que la CIA, par de bonnes intentions, c'est un réseau d'espionnage, etc. Mais imaginez, par exemple, que des groupes de cyberterroristes peuvent avoir la même volonté et la même possibilité de vous espionner. Alors, en Europe, il y a été voté récemment le règlement général de protection des données pour essayer de réguler tout ça. Donc voici les principales dispositions. Ça arrive ou pas? Voilà. Les principales dispositions du règlement général de protection des données. C'est d'avoir un cadre harmonisé sur l'ensemble de l'Europe avec une application extraterritoriale, c'est-à-dire que si vous êtes citoyen européen, même aux États-Unis, cette réglementation vous concerne. Il faut un consentement explicite et positif au recueil des données, le droit à l'effacement, le droit à la portabilité des données personnelles si vous changez de service. Il y a une protection des données dès la conception et une sécurité par défaut. Il faut que les fournisseurs de services notifient en cas de fuite de données, ce qu'ils ne font généralement pas. Il faut une nomination obligatoire d'un délégué à la protection des données dans chaque entreprise qui traite des données personnelles. Donc, il va vérifier que toutes les recommandations sont bien suivies, avec des évaluations d'impact obligatoires et des sanctions qui sont extrêmement élevées. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas la réglementation, si vous êtes une entreprise internationale, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial annuel. Donc, autrement dit, on essaie de vous casser les genoux. Et 20 millions pour les entreprises qui ne seraient pas... pour les petites entreprises, le plus élevé étant retenu. Donc, c'est vraiment des amendes qui sont très, très fortes. Ils veulent vraiment... voilà, la CNIL avant, quand elle disait oui, il y a une fuite de données, c'est pas bien, les problèmes de données personnelles, ils faisaient des recommandations en règle générale, les recommandations n'étaient pas suivies, c'était du style oui, bah voilà, bah, tu me disputes, mais j'en ai un peu rien à faire et je continue à faire ce que j'ai envie de faire. Et bah là, typiquement, la nouvelle CNIL aura la possibilité de dire bah t'as pas respecté, et ben voilà. C'est grosse punition et maintenant tu vas te plier parce que sinon on revient et on te casse encore les genoux. Donc j'espère que ce type de réglementation va permettre en tout cas d'éviter un certain nombre d'acteurs se lancent dans le secteur IoT en ne protégeant pas les données. Alors, il y a un nouveau concept qui est apparu au courant de l'année dernière qui s'appelle le fog computing. Alors, le fog computing, qu'est-ce que c'est? Donc, pour vous expliquer la différence entre le cloud computing et le fog computing, je me suis dit qu'on va s'imaginer une administration en charge des gestions des identités. Donc, typiquement, voilà, elle va gérer les permis de conduire,
les passeports, les cartes d'identité, etc. On connaît tout ça, ça s'appelle le ministère de l'Intérieur. Si l'effectif de l'administration, l'effectif de l'administration va pouvoir évoluer suivant le nombre de demandes. C'est typiquement ce qui se passe dans le cloud computing, plus il y a de demandes, et plus on va rajouter des machines ou des conteneurs. Si l'effectif est trop grand, on ouvre une annexe, puis une autre, puis une autre. C'est typiquement le cas donc du modèle cloud computing. Quand à un moment donné, vous avez dépassé le data center, on ouvre un data center, puis on rajoute des machines, etc. On s'étend comme ça. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a tellement de requêtes, on ne peut pas construire indéfiniment des nouvelles annexes. La gestion des annexes coûte très cher. Donc, il va falloir changer de méthode. Alors, le modèle cloud computing, c'est qu'on va s'appuyer sur des administrations territoriales pour absorber la partie de la charge de travail. Donc, typiquement, là, dans notre administration, vous avez une partie de la gestion des identités qui est traitée par les mairies, d'autres par les sous-préfectures, par les préfectures, etc. Vous avez vraiment du multicouche avec des notions d'intelligence à chaque couche. Quand, par exemple, vous faites votre passeport ou votre carte d'identité, c'est la mairie qui va traiter tous les documents, voir si vous avez tous les documents, vérifier. Et une fois qu'elle a reçu tous les documents, qu'elle a bien vérifié que tout était dans l'ordre, c'est là qu'elle va envoyer à la préfecture pour une première validation, qui va envoyer au ministère de l'Intérieur pour avoir la signature du ministre, ou en tout cas la personne chargée de cette partie de l'identité. Donc on a un ministère qui est moins sollicité, des usagers qui sont servis plus rapidement. C'est exactement le modèle du fog computing. C'est vraiment un modèle d'intelligence par couche. Voilà, donc au niveau de l'architecture, vous avez donc, maintenant qu'on ne parle plus d'individus mais d'objets, vous avez les objets qui sont ici. Vous avez une première couche de traitement qui va se situer au niveau des passerelles. Vous avez une autre couche qui va se situer un petit peu plus haute, qui va faire d'autres traitements. Vous avez des routeurs finaux, puis vous arrivez vraiment à vos data centers. Donc, on peut vraiment traiter les données à différents niveaux, suivant la sensibilité des données et suivant la réactivité que l'on veut donner aux données. Parce que l'IoT va poser un gros problème, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'objets qui vont arriver sur le réseau, donc ça va entraîner un engorgement. Et donc là, on a des gros acteurs qui ont réfléchi à cette problématique, notamment Cisco, Microsoft, IBM, etc., et qui se sont dit, là, on va avoir un gros souci. Cisco s'est dit, là, on ne va pas pouvoir gérer le trafic réseau avec nos équipements, c'est juste pas possible. Et pareil, Microsoft, au niveau de ses data centers, etc. Enfin bref, ils se sont dit, on arrive à un moment donné où le modèle cloud computing va pas pouvoir supporter la charge. Donc voilà, ils ont vraiment pensé à un nouveau modèle d'architecture. Et donc, qu'est-ce que va permettre le fog computing? On va pouvoir l'utiliser pour différentes choses, par exemple. On va pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est smart grid. Donc, par exemple, la gestion des ressources énergétiques pour les captations d'énergie renouvelable, etc., et la répartition sur le réseau. Donc là, il faut vraiment une intelligence au plus proche de la captation énergétique pour tout ce qui est la gestion des feux en fonction de la circulation, etc. Donc, pouvoir vraiment harmoniser et fluidifier le trafic dans une ville. Donc vous allez avoir des caméras qui vont capter à peu près le trafic et pouvoir gérer les feux, etc. Donc pareil, il faut vraiment traiter le calcul au plus près de la collecte des données. Des senseurs, des capteurs sans fil dans le monde industriel ou par exemple, typiquement pour le contrôle décentralisé d'immeubles intelligents, calculer en fonction de la température, de l'humidité, etc. Pouvoir directement réagir en ouvrant, par exemple, des ouvertures, en adaptant la clim, etc. Et donc, dépenser beaucoup moins d'énergie. Et pour ça, voilà, il est vraiment important que les calculs se fassent toujours au plus près de la source de données et des actionneurs. Donc,
Les avantages de Vogue Computing sont assez nombreux. Il va y avoir une réduction de la circulation des données à travers du réseau. Donc typiquement, dans le monde IoT aussi, des données personnelles. Moins de données personnelles qui transitent par le réseau, moins une sécurité renforcée. Une réduction de la dimension centralisée de l'informatique, qui est toujours assez problématique quand on fait l'exploitation, d'avoir vraiment tout qui arrive au même endroit, qui peut faire... Voilà, vos serveurs peuvent exploser parce que vous avez un nombre trop important de requêtes au même endroit. Amélioration de la sécurité, amélioration du temps de réponse, puisque du coup, si vous avez le calcul qui se fait au plus près de la captation des données, il n'y a pas besoin d'aller au data center qui fasse son calcul, qui redescende, etc. Vous y gagnez beaucoup. Et de la consommation réduite de bande passante et aussi de l'autonomie des objets qui deviennent autonomes. Typiquement, une voiture... quand elle a besoin d'analyser toutes les données qui se passent autour de la voiture pour essayer de ne pas avoir d'accident et de faire une conduite autonome, si elle a besoin de passer par le réseau pour traiter les données, il y a de fortes chances d'avoir un accident. Si vous avez le compute qui se fait directement dans la voiture, ça va aller beaucoup mieux. Donc, derrière le concept de fog computing, il y a aussi le concept d'intelligence à la source. C'est vraiment donc voilà ce que je disais d'avoir des passerelles avec des grosses capacités de calcul qui permettent de calculer les données au plus près de la source, donc que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour la domotique ou que ce soit pour le transport, la logistique, etc. Donc on a par exemple Dell qui vient de lancer un modèle qui a une fonction définie logicielle, donc vous pouvez rajouter des fonctionnalités de manière logicielle. Qui supportent des magasins d'applications. Donc, vous avez des applications qui sont directement, directement packagées. Vous allez sur l'interface web, vous cliquez sur les applications que vous voulez, ça s'installe tout seul. Il y a des modèles pour l'automatisation industrielle, le transport, la logistique ou les panneaux digitaux. Et pareil, c'est idéal pour le traitement d'images, par exemple, pour mettre dans un ascenseur, pour avoir du service plus. Au travers des caméras d'un ascenseur, par exemple, avec de la reconnaissance faciale. Et donc, avec ça, on va même pouvoir aller avoir des objets ouverts aux applications. Avant, ce qu'on appelait IoT, c'était essentiellement, dans ce que j'ai dit au tout début, des systèmes embarqués qui étaient optimisés. Maintenant, on peut trouver des cartes grandes comme des cartes de crédit qui peuvent tout à fait jouer le rôle d'un petit ordinateur. Et la mémoire de stockage, il y a plusieurs gigas qui peuvent tenir dans un espace pas plus grand qu'un ongle. Donc on a vraiment gagné en miniaturisation, en puissance, et donc il est plus nécessaire de concevoir les systèmes embarqués comme des systèmes figés, mais plutôt comme des systèmes sur lesquels on va pouvoir ajouter des fonctionnalités logicielles très rapidement pour faire évoluer l'objet. L'important, c'est que, par exemple, typiquement, quand on parlait des objets tout à l'heure, des gazinières, etc., moi, j'aimerais bien avoir une gazinière. S'il y a un nouveau fournisseur, je rajoute une application et ma gazinière peut se connecter sur un nouveau fournisseur. Et c'est un modèle qu'on connaît tous, puisqu'on en a quasiment tous dans la poche avec nos smartphones. Nos smartphones, c'est ça. On avait un objet, téléphone, sur lequel on a rajouté des applications. Et du coup, ça a permis à de nombreux services d'être complètement disruptifs, de rajouter, des sociétés comme Uber, Airbnb, etc., n'auraient pas pu avoir autant d'émergence sans cet apport de l'application sur des objets. Donc, côté Ubuntu, on a une technologie qui s'appelle les Snaps, qui donc justement pour régler cette problématique d'applications appliquées à l'objet, propose l'isolation forte des applications de leur librairie, des interfaces qui permettent aux applications de communiquer entre elles de manière sécurisée au travers d'API, et des magasins d'applications, une interface web de gestion des applications. Donc typiquement, vous vous connectez sur votre frigo, vous rajoutez des applications, elles se déploient sur votre frigo de manière sécurisée, sans impacter les autres, et donc votre frigo, une nouvelle application, elle peut faire des nouvelles choses. C'est à n'importe qui d'essayer d'inventer des nouveaux modèles avec ça. Alors les snaps ont au moins l'avantage, c'est qu'ils fonctionnent avec tous ces systèmes-là.
donc avec des systèmes desktop traditionnels comme Ubuntu, Arch Linux, Debian, OpenSUSE, Gentoo Linux et Fedora, mais aussi fonctionne avec des systèmes plus orientés, on va dire IoT, comme l'Open Embed, le Yocto Project ou l'OpenWRT. Du moment que voilà, sur ces systèmes-là, vous avez Systemd qui est installé, qui a un service, vous pouvez rajouter des snaps sur ces objets-là, comme vous en avez envie. Et donc du coup, alors comment globalement ça fonctionne, un système complètement basé sur des snaps, c'est que vous avez tout qui est vraiment isolé, le noyau, la partie, on va dire, gestion hardware, gadget, le système de base, les interfaces de contenu, et puis voilà, les applications qui peuvent, voilà, vraiment en mode Lego, donc vous buildez votre truc comme ça. L'intégrité du contenu, l'intégrité du code est assurée par des archives, SquashFS en lecture seule. Il n'y a pas besoin de reconstruire tout le système pour une simple mise à jour. Donc si par exemple vous avez une faille SSL pour cette application-là, le développeur de l'application fait son correctif. C'est poussé via une usine logicielle par exemple sur son Git. Ça redescend, c'est poussé sur le magasin d'applications. Ça redescend en automatique sur l'objet. Toutes les 24 heures, l'objet se met à jour. Et donc, sans avoir rien fait, votre objet est mis à jour. La faille SSL de l'application sur votre objet, elle est corrigée dans les 24 heures après le commit du développeur. Sans que vous, en tant qu'utilisateur, vous n'ayez d'action à faire. Et alors, globalement, tout système IT complexe peut être découpé entre du hardware et du software. Mais quand des objets embarquent de plus en plus de capteurs, l'essence même de l'objet devient définie de façon logicielle. Typiquement, si on regarde sur nos téléphones actuellement, on va avoir des capteurs comme des capteurs photo, des gyroscopes, des accéléromètres, des GPS, des émetteurs-récepteurs Wi-Fi, une puce RFC. Et du coup, en application, on a pu avoir des applications comme des appareils photo, des caméras. On peut le transformer en appareil de réalité virtuelle, réalité mixte, en navigateur GPS, en lecteur multimédia, en liseuse électronique. Enfin, on peut faire énormément de choses définies de façon logicielle. Tous vos objets connectés sur lesquels vous rajoutez des applications peuvent être radicalement transformés par les applications que vous allez rajouter dessus. Et donc maintenant, si vous avez des App Store sur n'importe quel appareil sur lequel des développeurs peuvent poser des applications, ça va permettre vraiment de faire évoluer les choses. Là, le petit modèle qu'on avait avec le smartphone qui a permis d'étendre vraiment, créer des nouveaux services, des nouveaux usages, etc. Imaginez ce modèle appliqué à la cafetière, appliqué au frigo, appliqué au four, appliqué à tout ce que vous avez à la maison qui peut recevoir une application, potentiellement recevoir une application. Et là, c'est du pain béni pour les développeurs. Il y a plein de choses à inventer. Donc voilà à quoi ressemble un magasin d'applications. Donc chaque constructeur peut avoir son propre magasin d'applications, peut monétiser le contenu, donc les applications. Donc ça peut être soit des applications libres ou des applications non libres. Mais du coup, il y a vraiment un business model qui peut être créé dessus et donc vraiment permettre de faire évoluer les objets, les rendre de plus en plus intelligents. Des relations constructeurs-développeurs mises en avant et une expérience utilisateur sur l'installation et la mise à jour IoT qui est simplifiée et la sécurité qui est renforcée. Et donc, maintenant, comment on va gérer, par exemple, notre problème entre notre cuisinière et notre frigo qui communiquent ensemble via un système basé sur le fog computing et avec des objets sur les applications. Bah là, on se rend compte qu'en fait, on a notre gazinière qui va aller parler à une gateway sur lequel on peut mettre de l'intelligence artificielle. Donc, il va y avoir un traitement d'intelligence artificielle au niveau de la gateway.
que ça va redescendre sur le frigo. Donc on reste dans notre réseau local. S'il y a besoin, vraiment, s'il y a besoin au travers d'applications tiers qu'on a rajoutées soit sur la gazinière ou le frigo ou au niveau de la gateway, on va pouvoir compléter le modèle de manière asynchrone sur les clouds des services concernés. Mais donc on voit bien qu'en fait, on est dans du quasiment temps réel au niveau de la communication, que les données personnelles ne partent plus chez les fournisseurs de services. C'est vraiment voilà, quand on a besoin de compléter des requêtes. Et donc voilà, on a vraiment un modèle qui est pensé de manière beaucoup plus intelligente, du coup avec même de l'intelligence artificielle, et de manière beaucoup plus sécurisée. Alors, pour conclure, et là, ça va être vraiment quelque chose qui n'engage que moi, est-ce qu'il faut avoir peur de l'IoT ? Pour moi, clairement, il ne faut pas en avoir peur. C'est encore tôt pour se lancer. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Là, on est encore dans le Far West. Mais comme tout bouleversement, voilà, il y a des moments sacrément what the fuck avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais il y a en même temps des réflexions profondes pour changer à la fois l'architecture système et au niveau de la sécurité des données personnelles, etc. Il y a de nombreux professionnels qui sont conscients de l'enjeu de la protection des données privées. Et je pense qu'à terme, on va avoir de moins en moins de données privées qui vont être captées par des fournisseurs de services. Parce que d'une part, au niveau du traitement de ces données, au point de vue big data, ça coûte excessivement cher. Et d'autre part, en plus, ils peuvent se faire casser les genoux par leur réglementation de protection des données. Et ce qu'ils veulent, c'est de manière la plus rapide, proposer une information aux consommateurs très rapidement, la bonne information au bon moment, sans forcément avoir des coûts externes sur la gestion des data centers, l'exploitation, etc. Donc je pense que d'ici peut-être 5 ou 10 ans, les choses vont aller beaucoup mieux, de manière beaucoup plus intelligente, et on va enfin se sortir de tout ce marasme qu'on a actuellement avec toutes ces données qui vont à droite, à gauche et qui nous posent beaucoup de problèmes. Voilà, merci beaucoup, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un, deux. Ouais. Y a des questions sur IRC, je vais essayer de les compiler parce qu'il y en a eu un paquet. Mais en gros, il y a beaucoup de questions. Aujourd'hui, la problématique, c'est surtout qu'il y a des périphériques, les objets connectés sont très légers, c'est des trucs qui tournent avec 64 kilos de mémoire, il n'y a pas d'OS, il n'y a pas de mémoire, ça doit consommer très peu. Et donc, on ne peut pas installer un OS complet, il n'y aura pas Snap, il n'y aura pas SystemD. Les téléphones mobiles, on recharge sa batterie 4 fois par jour parce que ça pompe à mort. Le calcul des données, ça va être des réseaux. Enfin, tout le monde parle d'IA, de réseaux de neurones et autres. Ça ne pourra pas être fait en local parce qu'il faut des GPU. T'auras pas ta carte Tesla dans ton ampoule connectée. Et donc, est-ce que les problèmes seraient pas autres que juste des problèmes de déploiement? Et surtout qu'après, même si on a un App Store ou autre, on n'aura pas un écran, un clavier pour aller installer ça sur l'App Store de l'ampoule. Est-ce qu'on va vraiment améliorer la situation avec du Snap? Alors, déjà, au niveau de la miniaturisation, on arrive à avoir des ordinateurs complets qui sont aussi puissants que nos ordinateurs d'il y a 10 ans, dans des trucs grands comme ça. Oui, mais ça coûte 800 euros aujourd'hui. On n'achètera pas une ampoule connectée à 800 euros. Oui, mais une Raspberry Pi, ça coûte combien? Ça coûte 35 euros, c'est grand comme ça. Et c'est ça consomme un ampère 2. Oui, mais il y a déjà le fait qu'on arrive à miniaturiser. Il y a des batteries qui sont de plus en plus petites. Maintenant, il y a beaucoup d'objets connectés, par exemple, typiquement un frigo, une cafetière, etc. Ils sont déjà branchés sur ton réseau électrique. Ils sont pas, t'as pas besoin de batterie pour ton frigo. Ton frigo, il est branché. Ta cuisinière, elle est branchée. Ta cafetière, elle est branchée. Ton micro-ondes, il est branché. La plupart des objets qu'on a à la maison sont des objets qui sont déjà connectés. Ils sont pas autonomes d'un point de vue énergétique. Oui, mais le surcoût de la connexion est quasiment négligeable aujourd'hui entre une ampoule et une ampoule connectée. Il y a quelques centimes d'écart. Si demain tu dis ton ampoule non connectée c'est 20 euros et ton ampoule connectée c'est 820 euros, t'en vendras pas des ampoules. Oui, mais clairement tu peux avoir une Raspberry Pi dans une machine à laver. C'est pas ça qui va faire exploser le prix de ta machine à laver. Donc
déjà, voilà, il y a, je crois que c'est GE qui travaille là-dessus, justement pour essayer d'embarquer au moins des slots de micro-serveurs. Donc typiquement, pour se baser sur des cartes type Raspberry Pi, on rajoute ça à la machine à laver et on a un ordinateur complet. D'autre part, au niveau des magasins d'applications, il y a une application qui s'appelle pour l'App Store, qui est juste un web serveur. Donc en fait, on se connecte sur l'IP de la machine et on a accès à son web serveur et on lui rajoute des applications. Donc on peut la rajouter, on rajoute l'application au travers de son smartphone, de son PC, de sa tablette, de n'importe quoi. On peut gérer les applications de ses appareils domestiques. Donc il y avait d'autres questions. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions ou pas ? De façon très bref, hein, moi je crois pas que tous ces trucs-là soient inéluctables. On peut vraiment ne pas jouer ce jeu. Pour moi, on a des super technologies qui marchent très bien. La gazinière, le frigo, c'est des super technologies. Pourquoi les rendre plus fragiles en mettant des puces dedans ? Je veux dire, c'est la sécurité, c'est un truc fiable, c'est pas un truc connecté. Et la sobriété énergétique, c'est pas de rajouter des puces en plus partout. Hein. C'est plutôt d'éteindre des ordinateurs. Donc moi, ça me saoule d'entendre un discours qui est vraiment « Ah, ça va arriver, c'est inéluctable. Non, on peut refuser et refusons. » Voilà, merci. Bah après, là, on est sur un problème plutôt politique. Maintenant, est-ce que toi, si tu n'as pas envie d'en avoir, bah, tu n'en as pas, malheureusement. Voilà, il y a des gens qui ont plutôt une tendance à vouloir tout industrialiser dans leur maison. Voilà, donc il y a un marché qui est en train de se créer. Maintenant, il faut faire en sorte que ceux qui se lancent dans ce marché puissent le faire en toute sécurité. Voilà, c'est plutôt par rapport à ça. Tu es toujours libre de choisir si tu veux. Moi, je suis pour un modèle où tu puisses rajouter des cartes éventuellement dans ta machine à laver, etc. Si tu as envie de l'augmenter, si tu n'as pas envie de l'augmenter, tu ne rajoutes pas la carte. Il faut que ça soit en option. C'est ce que propose, par exemple, General Electric. Donc, du coup, il y a ceux qui veulent des modèles comme toi se baser sur des trucs, éventuellement pas augmenter leur objet. Et il faut pouvoir répondre aussi à la problématique de ceux qui veulent le faire. Et il faut qu'ils puissent le faire en toute sécurité. J'avais une petite question ou remarque du coup, sur la dernière partie où tu expliquais du coup, que potentiellement dans 5 à 10 ans, tous les calculs vont être faits de manière décentralisée. Il y aura de moins en moins de collectes d'informations parce que les compagnies ne veulent pas faire ça. Moi, en tant que chercheur du coup, qui travaille sur les données personnelles, ce que j'observe, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de centralisation parce que c'est bien moins cher et bien plus facile de faire de la modélisation de données, de l'analyse de données sur des grandes quantités. Et pour ça, il y a besoin de centralisation. Et c'est pour ça qu'on centralise toutes les données individuelles et que les données repartent toujours à la collecte. Alors, moi, je suis ops dans une société qui fait du big data. Et c'est extrêmement complexe. Le run au niveau big data est extrêmement complexe, coûteux. Et si tu peux délivrer l'information directement au plus proche sans avoir ces coûts faramineux de tes fermes big data, je pense qu'il n'y a pas photo. Au niveau de la direction financière, ils vont te dire on part dans la direction où on veut faire du moindre coût. Les entreprises, c'est pas non plus. Enfin voilà, il y a une question de rationalité au niveau rapport coût. Ben, si ça coûte trop cher et que tu peux avoir le même service, voire un service plus sans que ça coûte une blinde, les services financiers ils vont plutôt avoir tendance à aller vers le système qui ne te coûte pas une blinde. Là, pour le moment, c'est qu'on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour traiter les données vraiment au plus proche de la captation des données. C'est pour ça que ça remonte. Mais il y a de plus en plus quand on va avoir et c'est une des questions effectivement auxquelles j'ai pas répondu à Iris au niveau du traitement des grilles de calcul. Maintenant, on peut avoir des grilles de GPU. Alors pour l'instant, ça coûte encore assez cher, mais je pense que d'ici 10 ans, il va y avoir une baisse des coûts. Mais une grille de GPU sur certains modèles de gateway, donc c'est grand comme ça. C'est quelque chose qui tient dans un ascenseur. Donc typiquement voilà, va y avoir des données qui vont être vraiment traitées au plus près et essayer de justement c'est avec la réglementation générale de protection des données, si tes données personnelles, si on sait que t'as eu des données personnelles et que tu sais que ça va te coûter 4% de ton chiffre d'affaires,
tu réfléchis à deux fois avant au type de données que tu vas collecter. Et donc, tu vas essayer de faire en sorte que ça ne te coûte pas trop cher, que ce soit décentralisé. Et finalement, même pourquoi pas, que ce soit traité par quelqu'un d'autre, si ça peut être traité dans une gateway, voilà, le service peut être rendu par une gateway domestique. Du coup, c'est même pas sur tes serveurs. T'en as rien à faire. Le service, il est rendu. Tu vas te baser sur l'application. Et voilà, c'est ça que tu veux, c'est que les gens achètent ton service. Tu veux pas, enfin voilà, les données personnelles, vu comment ça coûte le traitement big data, si ça peut être traité chez quelqu'un d'autre, toi ça te coûte pas cher, tu rends ton service et tu fais de l'argent plus facilement, t'as une marche qui est beaucoup plus confortable. Moi je suis vraiment convaincu sur le fait qu'on va effectivement décentraliser le traitement des données en big data. Là derrière et là, quoi. Donc, je suis pas super convaincu par cet argument commercial, je veux dire, où on dit ça coûtait moins cher de faire du traitement décentralisé. Bah, la donnée se vend, mais elle se vend pas finalement pas assez cher par rapport à l'exploitation. Bah, vu les enjeux politiques qu'il y a derrière, quand on regarde les élections, alors au niveau des enjeux politiques, et clairement, le modèle Google, quand Google tu l'interroges sur les données, eux ce qu'ils te disent, si on veut délivrer le bon message au bon moment. Si ton message, il peut être traité vraiment voilà, au moment où tu inities la requête, donc au plus près de l'utilisateur, tu n'as pas besoin d'avoir X mille ou X mille données dans le cloud. Par exemple, ton téléphone peut envoyer directement, il stocke les données. Tu es sur un réseau local au moment, par exemple, je ne sais pas, tu es dans un ascenseur et tu vas avoir des services par rapport à, je sais pas, un ascenseur d'un centre commercial, tu as l'application du centre commercial. Tes données sont dans ton téléphone, tu es dans un réseau local. Ton IA interroge ton téléphone, traite en direct, limite en RAM, comme ça en plus tes données du coup après elles disparaissent, elles sont remplacées par autre chose. Toi t'as ton service, t'as payé à la limite ton service en achetant l'application, et t'as des applications par contre d'IA qui vont coûter très cher. Donc là où t'as vraiment un business model à te faire en tant que par exemple fournisseur d'ascenseurs, et là t'as vraiment un business model à faire basé sur l'application. Et sur les services rendus aux centres commerciaux. Donc en fait, tu changes de business model. Tu changes de business model, mais ça, c'est dans un monde idéal de service où on veut vraiment rendre service à un utilisateur et pas de manipulation de masse, quoi, je veux dire. Bah, après, tu vas faire de la manipulation de masse au niveau pour avoir des statistiques, mais ça, tu peux avoir des données anonymisées pour les statistiques. Justement, le but du jeu des statistiques, tu sors plus un individu, tu sors des. T'es vraiment sur du général. Quelqu'un de 26 ans, un blanc de 26 ans, préfère par exemple avoir des ampoules U que des ampoules IKEA. Bon, voilà, on n'a pas besoin de savoir qui tu es. On a juste besoin de savoir des données vraiment générales. C'est la statistique. Dans un traitement big data, l'individu disparaît au profit de vraiment des généralités.